Merci de me recevoir chez vous. La nouvelle est tombée ce soir. Le colonel Christian Remanda nous a quittés après Fabien Méré. C'est le colonel Remanda qui trouve donc la mort en exil. Christian Remanda était un de ces vaillants soldats de la Marine nationale. Il avait en 2016 pris fait cause pour l'alternance au Gabon. C'est ainsi qu'il s'était rangé derrière le candidat Jean Ping, investi par l'opposition gabonaise, qui avait remporté l'élection présidentielle de 2016, mais qui n'a pas
réussi à prendre le pouvoir. Le colonel Remanda avait été accusé par le régime d'Ali Bongo de tenter de renverser le pouvoir en place et il avait été arrêté et conduit à la cravache au B2 et détenu dans des conditions inhumaines. Sa santé s'était dégradée. Au sortir de sa détention, il avait pris le chemin escarpé de l'exil. Il avait posé ses valises à Lyon, en France, et il y a pratiquement 2 semaines, sa santé s'était dégradée. Il était entré dans un coma. Il luttait contre la mort. On a beaucoup prié pour qu'il nous revienne, mais nos prières n'ont pas été exaucées par Dieu. Le colonel Remanda a donc tiré sa révérence ce soir, d'après une source proche de la famille. Il est donc allé retrouver les devanciers dans ce combat, parmi lesquels Fabien Méré, qui était aussi mort en exil l'année dernière. Et là, c'est donc le colonel Remanda qui nous quitte. C'est une perte, une grande perte même pour la résistance gabonaise. Il était l'un de ces Gabonais qui donnait, qui guillonnait pratiquement la résistance en France. Il était pratiquement de toutes les réunions qui étaient destinées à libérer le Gabon. C'est quelqu'un qui avait renoncé à ses privilèges malgré justement les propositions qui avaient été faites. Il avait donc renoncé à ces privilèges-là pour se ranger derrière le candidat Jinping et malheureusement, arrivé en exil, il n'aura passé que pratiquement 4 ans, et il a donc tiré sa révérence ce soir en France. Nous présentons à sa famille nos condoléances les plus émues et nous l'assurons aussi de notre soutien en ces moments difficiles. La mort du colonel Remanda vient relancer le problème des opposants au Gabon, des opposants qui sont traqués sans relâche par le régime d'Ali Bongo. Vous avez vu hier un jeune activiste qui avait été libéré sous pression de la toile et il y a beaucoup d'autres qui sont obligés de prendre le chemin escarpé d'exil où ils côtoient la mort parce que le fait d'avoir quitté le Gabon n'est pas du tout un gage de sécurité. Les barbouzes du régime en place continuent de traquer les Gabonais où qu'ils soient. Aidé par des personnes tapies dans la diaspora gabonaise en Europe, et on ne connaît pas encore les causes exactes de la mort du colonel Remanda, mais tout ce qu'on sait, c'est que sa santé s'était dégradée lorsqu'il avait été arrêté par le B2, communément appelé contre-ingérence, au soir de l'élection présidentielle de 2016, et ces conditions donc de détention avait laissé planer le doute par rapport à sa dégradation, à la dégradation de son état de santé. Beaucoup avaient donc redouté même qu'il soit empoisonné là-bas. Et au sortir donc du B2, il avait pris le chemin de l'exil. Il vivait donc en France, aux côtés de ses proches. Il se faisait discret ces derniers temps parce que, naturellement, sa santé ne lui permettait plus d'être au-devant de la scène. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il était parmi les personnes qui aiguillonnaient les jeunes résistants et qui appelaient aussi à tempérer. C'est un sage que nous perdons donc dans cette résistance, un coup dur. Et lorsque survient un deuil comme celui-là, on se pose souvent la question à qui le tour prochainement, quand on sait que le régime d'Ali Bongo est déterminé à en découdre avec tous ceux qui veulent en finir avec lui. Et c'est donc une volonté affichée par les autorités gabonaises, celle de combattre les Gabonais où qu'ils soient. Encore nos condoléances à la famille du colonel Christian Remanda, un vaillant soldat, quelqu'un qui a assumé ses convictions jusqu'au bout sans vouloir renoncer à ses idéaux. Pourtant, d'autres officiers supérieurs avaient été rappelés par Ali Bongo pour repartir à la mangeoire, mais lui, il était resté sur ses convictions, attachant du prix à la libération du Gabon. L'information continue sur Facebook et YouTube.
Oh.
Oh, yeah.